Bonjour et bienvenue dans votre nouvelle émission Travelling Sport, une émission au cœur du sport de haut niveau. Et on a la chance de recevoir François Pervis, le quadruple champion du monde de cyclisme sur piste. François, merci d'avoir accepté l'invitation ici à l'INSEP, un lieu que tu connais bien. Oui, c'est un lieu que je connais bien, merci de l'invitation, c'est un plaisir de revenir à l'INSEP. Ouais. Alors, il n'y a pas longtemps, tu as fait un triplé historique. J'ai lu un petit peu les journaux, c'était écrit comme ça, le phénomène, le triplé, la légende. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ton séjour en Colombie? Oui, c'était en février dernier, fin février, à Cali, en Colombie. Et championnat du monde, je concourais dans trois épreuves. Et avant d'y aller, j'avais annoncé la couleur, je voulais être champion du monde dans les trois épreuves. Donc, trois médailles d'or. Ensuite, ça, c'est un triplé qui n'a jamais été réalisé dans mon sport, puisque personne n'avait... Même les Hoy, Kenny, ils n'ont jamais fait ça. Non, il y a eu, dans mon sport, il y a quatre épreuves. Même les Français, même Tournant, a gagné déjà trois titres de champion du monde sur la même compétition, sur le même championnat, sauf qu'il y avait l'épreuve par équipe. Sauf que moi, j'ai gagné les trois autres épreuves qui étaient individuelles, et ça, personne ne l'avait jamais réalisé. Donc, Mais quand tu dis que tu l'as annoncé, c'est qu'avant de partir en Colombie, tu dis, je ne sais pas, à tes proches ou aux médias, tu dis, je vais être triple champion du monde. Oui, c'est tout le temps, à chaque fois qu'il y a j'ai une interview, j'ai toujours des interviews avant mes déplacements. Et bon, bah, François, donne-nous tes objectifs. Et là, j'ai dit trois fois un triplé historique, puisque ça n'a jamais été fait. Donc, c'était un petit peu prétentieux, puisque ça n'a jamais été réalisé par avant. Mais j'étais confiant et je savais que j'étais capable de le faire. Mais en fait, tu étais en forme sur les entraînements avant, tu avais fait des bons temps, c'était des repères qui te faisaient partir avec ces objectifs? C'était déjà mes championnats du monde de l'année passée où j'ai fait les quatre épreuves. J'ai fait toutes les épreuves, ça a duré 5 jours de course, j'étais très fatigué. Mais je me suis dit, avec de la fraîcheur, j'aurais été pas loin de gagner déjà ces trois épreuves individuelles. Après, l'épreuve par équipe, c'est autre chose. Donc cette année, bah, j'ai été au championnat du monde, je me sentais très fort physiquement et mentalement. Donc je me suis dit, bah, avec l'expérience de mes championnats du monde l'année dernière, où je pensais vraiment qu'avec plus de fraîcheur, j'aurais été capable de le faire, cette année je suis parti avec ça en tête et j'y ai pensé, surtout après mes deux records du monde au mois de décembre, où là vraiment je me suis vraiment rendu compte de la force que j'avais et ça m'a tiré vers le haut. Et, Justement, tu dis que tu étais fort mentalement. Quand tu arrives, je sais pas, tu choisis une de tes courses, c'est laquelle ta meilleure course? J'aime vraiment les trois courses, ouais. Bon, si tu devais nous raconter vraiment une course et nous dire ce que tu ressens l'avant-course, avant d'arriver dans le vélodrome, sur le vélo, le moment où tu pars, le moment où tu arrives, comment tu décrirais tout ça? Je vais choisir la vitesse individuelle, puisque ça, c'est vraiment un match en 1 contre 1. C'est vraiment des duels. C'est limite comme un match de boxe. Il y a beaucoup de stress. On joue vraiment avec les nerfs de l'adversaire, parce qu'on peut faire des surplaces, on peut venir vraiment, parce qu'au début on roule tout doucement comme ça, si on joue à chat la souris, on peut venir essayer de toucher ou de faire perdre les moyens à son adversaire. Et ça j'adore. Et là justement au championnat du monde, en finale, je tombe contre le champion du monde en titre. Mais moi, depuis l'année dernière jusqu'à ces championnats du monde-là, je me suis dit, ce gars-là, si j'aurais été en finale l'année dernière, j'aurais été capable de le battre. Et pendant un an, je me suis dit ça, et là, j'étais en finale contre lui, et ça tombait bien parce que déjà, mentalement, j'avais quasiment limite gagné. Après, je savais que physiquement, j'étais fort, très fort. Après, c'est tactiquement qui est très dur. Parce que la vitesse individuelle, c'est très compliqué. Il y a le système d'aspiration qui joue. Il ne faut pas se faire prendre la tête. Il faut toujours rester concentré et savoir toujours dans quelle vitesse est son adversaire pour ne pas se faire surprendre. Alors, ça s'est passé comment pour toi? Cette course-là, c'était un Allemand? C'était un Allemand. Comment ça se passe, voilà, cette course avec l'Allemand? Tu dis que tu es confiant, mais après, qu'est-ce qui se passe? Bon, après, c'est en deux manches, voire une belle, si chacun a gagné un match. Donc, première manche, il est en tête. Moi, je suis derrière lui parce qu'il a tiré la carte numéro 1, donc il est obligé de mener le premier demi-tour au moins. Et lui, ce n'est pas du tout sa tactique favorite. Je sais que lui, il adore être derrière l'autre coureur pour venir faire un sprint décollé. Il n'aime pas du tout être devant. Donc, je savais qu'il allait tout faire pour me faire passer devant. Donc, c'était très, 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 très tendu parce que déjà, au départ,
Moi, je me mets sur la ligne de départ et lui, il vient se coller à moi. C'est-à-dire qu'on est comme ça, on est droit sur notre vélo et on se touche et coûte déjà. Ah ouais. Donc déjà, c'est ça fight avant même le départ. Donc, mais ça, c'est ça j'aime bien parce que ça m'énerve. Ça m'énerve justement, ça me fait, lui, il veut essayer de me faire perdre mes moyens. Moi, ça m'énerve et ça me donne encore plus de rage. Ouais, ça me donne encore plus de rage. Et donc, il fait du surplace. Donc moi, je sais que lui, devant, il se sent pas bien. Donc je fais aussi du surplace et j'essaye de rester... le plus longtemps possible derrière lui. Et en fait, moi, ce que j'adore vraiment dans la vitesse individuelle, après tout ce que je viens de dire, c'est vraiment le moment où tu fais ton effort, tu te mets à 2-3 vélos. Donc déjà, on se lance vraiment très très vite, parce qu'il reste quasiment juste un tour de piste. Un tour de piste, ça fait 250 mètres. Donc ça se fait, c'est très rapide, hein, c'est 10-12 secondes d'effort. Et là, c'est au moment où tu produis ton effort, tu prends l'aspiration du coureur, et tu sens que tu vas lui rentrer dedans et tu te décales au dernier moment. Et là, tu le passes. Et là, c'est jouissif. Parce que là, tu sens que tu domines ton adversaire. Et c'est ça que j'adore le plus dans le sprint en général. Mais tu dis que tu étais confiant. Tu le sentais. C'est-à-dire que même quand tu arrives dans cette phase où tu sais que tu vas faire ton effort, comme tu dis, et tu vas le dépasser au dernier moment, jusqu'au bout, tu sais, enfin dans ta tête, tu es quasiment sûr que ouais. Ça va être pour toi. Oui, j'étais... J'étais envahi de cet état d'esprit-là. Donc forcément, après, il ne fallait pas passer au travers. Il ne fallait pas non plus être surconfiant. Donc je faisais vraiment très attention de bien courir tactiquement. Parce que j'ai beau être le plus fort du monde, si je cours tactiquement, si je suis nul, je me fais battre. Donc là, je pensais qu'à ma tactique. Et puis, quand j'y vais, j'y vais. Et, mais faut pour choisir, sa tactique, c'est du... Comment dire, ça passe tellement vite, ça va tellement très vite. C'est un feeling. C'est un feeling, c'est du... comment je vais dire? Ça se joue à... C'est l'instinct qui joue. Donc l'instinct qui joue, pour avoir le meilleur instinct possible, moi je me suis rendu compte que dans ma tête, il fallait que je sois très calme, très posé. Et il n'y a que comme ça que je prends les bonnes décisions tactiques. Et là, donc avant la course, je ne suis pas là en train d'écouter de la musique à fond pour me mettre en transe. Je suis vraiment très calme. On peut prendre mon pouls... Je suis sûr qu'il est très très bas. Et déjà sur la chaise de départ avant, parce que déjà aussi sur la chaise, on est côte à côte avant de monter en piste. Donc après, avant que le sprint se lance, je suis très très calme, je tremble pas comme ça peut l'être par le passé. Mais justement, parce que moi j'ai vu des interviews sur toi quand tu étais jeune. Et tu dis que tu as besoin de t'énerver, tu écoutes Nirvana. Oui, c'est ça. Donc tu fais plus ça. Non, je fais plus ça. Bah, j'ai mis, voilà, pendant 12 ans, j'ai essayé de trouver ce qui me convenait le mieux. Donc, j'ai essayé plein d'approches de la compétition, plein d'approches différentes. Donc oui, de la musique à fond pour vraiment me transcender. Mais après, je me suis rendu compte que je perdais tout mon influx nerveux avant la compétition de monter en piste. Et puis quand c'était à moi de vraiment y aller et d'être énervé, bah là, ça répondait plus trop. Donc je me suis dit peut-être qu'avant, à force de m'énerver et tout ça, à me motiver, à me surmotiver, à me mettre en transe, bah, je me vidais. Tu perdais du jus. Voilà, tout simplement. Donc maintenant, après c'est venu, j'ai mis longtemps. Hein. J'ai mis longtemps. Justement, mais... justement si on parle de ce début de carrière, tu arrives à l'INSEP, tu as 18 ans. C'est en 2001, donc j'ai 17 ans. Ouais. Tu as 17 ans et... Donc de 2001 à 2014, bon, tu as un titre quand même en 2013 et tu as un record sur le kilomètre. Mais qu'est-ce qui se passe de 2001 à 2013? C'est vraiment, tu as été patient ou alors tu as eu des doutes? Tu as attendu la progression? Ça s'est passé comment? Alors forcément, j'ai été patient. Si je n'aurais pas été patient, je ne serais pas là aujourd'hui. Mais moi, quand je suis arrivé, j'étais entouré sur le banc à l'entraînement. Il y avait Tournant à ma droite, Rousseau à ma gauche. Donc là, c'est silence radio. Tu ouvres bien grand tes yeux, t'écoutes bien, et puis t'apprends. T'essaies d'emmagasiner le maximum d'expérience, venant d'eux, et puis venant de mon entraîneur aussi, Gérard Quintin. Donc bah là, tu n'as rien à dire. Tu fermes ta bouche, et puis tu bosses, quoi. Tu taffes, parce que je suis un routier, je suis tout fringalé comme ça. Donc bah, je suis là, j'essaye de donner le maximum. Parce que aussi, une fois qu'on rentre ici à l'INSEP, c'est pas une fois que j'y suis, ça y est, c'est je me la coupe douce. Un an après, tu peux te dégager parce que tu n'as pas de résultat. Mais moi, j'ai vraiment pas eu du tout cette crainte-là. Je me suis dit, je suis rentré ici,
ça va payer un jour, je vais marcher. Parce qu'avant de rentrer ici, je m'entraînais jamais sur piste, je faisais jamais de musculation, donc j'étais vraiment brut de décoffrage. Et ça, mon entraîneur me l'a très bien fait comprendre, et il m'a dit, tu y arriveras qu'en t'entraînant. Et puis quand je voyais mes aînés qui s'entraînaient aussi comme des cinglés, bah forcément, je me suis dit, ils sont champions olympiques, bah, je dois faire pareil, tout simplement. Donc, ça a mis du temps. Ça a mis du temps. J'ai bien progressé de 2001 à 2004 parce que bah, j'étais jeune et puis je m'entraînais pas. Donc à partir du moment où tu commences à t'entraîner deux fois par jour, bah, une grosse progression. Et puis en 2004, j'ai fait les Jeux. J'ai fait des très beaux Jeux. J'avais pas encore 20 ans. Je fais 6e. Je bats mon record sur le kilomètre, record perso. Et puis je me dis, voilà, j'étais encore surmotivé. Je venais de faire les Jeux. J'avais pas encore 20 ans. J'avais découvert ça, donc j'étais vraiment fou encore. Et je me suis dit, je bosse encore plus, parce que je dois bosser. Et j'ai bossé énormément, et c'est là où j'ai commencé à me blesser. Donc entre 2004 et 2008, je me suis énormément blessé, et ça a vraiment ralenti ma progression. Mais ça t'a servi aussi. C'est-à-dire que je pense que dans les parcours, souvent, c'est comme un peu les doués qui, tout de suite, on voit qu'ils ont du potentiel, ils réussissent, et puis après, ils ont une période, soit de blessure, ou soit de mauvais résultats, et c'est cette période-là qui aide un petit peu à se reconstruire. C'est cette période-là qui fait déjà que tu relativises un peu tout, tu essaies de te reposer des questions, pourquoi c'est arrivé, c'est des erreurs à ne pas recommettre, donc forcément ça t'aide pour le futur. Puis surtout, mentalement, pour moi c'est très très dur, parce que je me suis fissuré une vertèbre deux hivers de suite, donc pendant deux mois, deux hivers de suite, j'étais plâtré tout le haut du corps, du cou jusqu'à la hanche. Donc je suis sur un vélo, on va dire un vélo d'appartement, tout le monde comprenne, un vélo de laboratoire, et je fais mes sprints les mains dans le dos parce que je ne peux pas me pencher pour tenir mon guidon parce que ça me coupe à l'aine ici, mon plâtre. Et donc, bah, ça dans la tête, pendant que les autres ils font des tours sur route, ils font l'entraînement sur piste, ils font de la musculation, moi je ne pouvais plus tout faire de musculation. Je ne pouvais faire que du vélo. Donc ça dans la tête, t'es sur ta bécane là, tu transpires comme un malade dans la petite pièce là, dans le garage. Et puis mentalement, voilà, fallait pas plonger. Moi à chaque fois que j'ai une blessure, j'ai pris ça comme un défi. Je me suis toujours dit je reviendrai encore plus fort. Et à chaque fois que j'ai été blessé, à chaque fois mentalement, je suis persuadé que ça m'a aidé à devenir encore plus solide mentalement. Et donc après voilà, 2008, j'ai ma dernière grosse blessure, une fracture de la clavicule un mois avant les Jeux Olympiques. Donc ça aussi, ça aide pas. Et à partir de 2008, j'ai arrêté de me blesser. Et voilà, j'ai pris l'expérience de pourquoi je me suis blessé sur des fractures de fatigue, de stress. Et après, je me suis vraiment tourné sur un entraînement de qualité. C'est pas qu'avant, je faisais un entraînement de mauvais, mais j'en faisais beaucoup trop. J'ai écouté mon corps. Je me suis remis en question sur mes entraînements, sur l'implication dans mes entraînements. Et ensuite, voilà, j'ai progressé doucement mais sûrement de 2008 à 2013. Et puis, il y a des séjours au Japon aussi qui m'ont énormément fait progresser physiquement et mentalement aussi. On reviendra là-dessus sur le Japon, sur cette partie-là. Mais on parlait d'entraînement. Et l'entraînement, pour tous les sportifs de haut niveau, tu le sais, c'est le dépassement de soi. Et je voudrais que tu regardes cette interview de Michel Onfray, qui est un philosophe français, et que tu écoutes sa vision un peu du dépassement de soi. On sait très bien qu'avec les endomorphines, qu'il y a effectivement une espèce de jouissance dans la douleur, parce que le corps va produire une espèce de contrepoison à ce poison, et que ce contrepoison donne l'impression d'une espèce de vraie jouissance. Ça me rappelle cette histoire du fou qui se tape sur la tête avec un marteau et qui dit « mais ça fait tellement de bien quand on arrête, et pourquoi pas ne jamais commencer ?» Le bien pourrait être supérieur encore. Donc effectivement, on peut souffrir en disant qu'au-delà de la souffrance, on aura trouvé une jouissance, parce que mécaniquement, ça se produit comme ça, mais aussi parce qu'il y a le discours qui l'accompagne. Du genre, il faut savoir de quoi on est capable, il faut aller au-delà de ses limites, il faut se dépasser. Mais pourquoi faire, se dépasser, je dirais. Mais pourquoi se dépasser, pourquoi faire? Courir toujours plus vite, battre ses propres records, être capable de sauter plus haut, de sauter plus loin, de faire le nécessaire pour que ce soit le cas, c'est-à-dire faire ce qu'il faut pour ne jamais être content de soi, ou pour l'être de temps en temps, c'est-à-dire 9 fois sur 10, on n'est pas content de soi, puis une fois sur 10, on l'est parce qu'on s'est dépassé. Mais une fois qu'on s'est dépassé, le projet nouveau, c'est quoi? Se dépasser à nouveau. Donc il faut recommencer à entretenir la machine. Et je trouve qu'effectivement, c'est une espèce de
de travail de Sisyphe. C'est un tonneau des Danaïdes. C'est-à-dire on remplit, et puis ça se vide en permanence. Et puis on découvre un jour qu'on ne peut pas forcément remplir le tonneau, parce que le tonneau vieillit, parce que le tonneau fait eau de partout, parce qu'on a son âge, et puis parce que les performances qu'on faisait, on les fait de moins en moins facilement. Puis après, on ne les fait plus du tout, puis après on sait qu'on ne les fera plus jamais. Battre des records, se dépasser. T'es d'accord avec tout ce que dit Michel Onfray ? Ah bah oui, complètement, on est en plein dedans. On est en plein dedans, on s'entraîne pour ça, et puis voilà, oui, l'endomorphine. C'est ce qu'on en a besoin. Moi, dès que je suis en vacances, j'ai ce manque-là. Donc T'as besoin de t'entraîner ? J'ai besoin de m'entraîner, j'ai besoin de me faire mal. Et j'ai besoin d'avoir cette sensation, tout simplement. Et quand il parle de dépassement de soi, c'est vrai que les sportifs, on veut toujours être les meilleurs tout le temps. Est-ce qu'il y a un moment donné où on peut se poser la question, mais pourquoi on le fait ? Toi, tu t'es déjà posé la question, pourquoi tu le faisais ? Oui, ça m'est déjà arrivé, mais tout simplement pour donner un sens à sa vie. Voilà, moi je dirais ça, puisque j'ai eu la chance naturellement d'avoir des qualités à la base. Je prends un exemple, par exemple, sur mon frère et ma sœur. Eux, ils ont cédé tronches. Il y en a un qui est ingénieur, l'autre vétérinaire. Bah, moi, je suis sportif de haut niveau, puis je suis avec mes qualités. Et puis, je pense que je suis quand même mieux là que d'être à l'usine sur une chaîne. Donc, voilà comment je vois un peu tout ça. Mais ouais, le dépassement de soi, c'est toujours y arriver, toujours essayer d'être fier de soi déjà à la base, tout simplement. Et ben, dans le dépassement de soi, il y a aussi l'entraînement au quotidien. Et on a un mini-doc sur la préparation physique de l'équipe de France de hand. Jambe droite, jambe gauche, isométrie ici. 2 et 2. Non, 4 et 4. 4 à droite, 4 à gauche. Tu t'essayais de me fumer là. Voilà. Toc, en souplesse, super. Voilà. C'est un peu lourd, ouais. Mais t'es une bête. Plus encore. Voilà. Et là, tu montes. Gonfle bien ton ventre au départ. Gonfle. Et souffle fort. Plus derrière. C'est de monter un tout petit peu plus vite. Tiens plus longtemps. Pas mal. Non. C'est de la merdouille. Bien. Allez, bloc. Deuxième série, les gars, on monte à 100. Vous faites jambe droite, jambe gauche, saut, jambe gauche, celle qui vient d'être fatiguée, jambe droite derrière. D'accord ? Jambe droite, hein ? Et après, on fait l'inverse. Allez. Pas toi, les autres. Ouais. Je te connais, quelqu'un. Lève ton menton. Pas mal. Et la deuxième, c'est l'autre jambe, tu la feras là-bas. Ah oui, avec le truc. Hein, avec le truc là-bas en excentrique. Là, j'ai fini, moi. J'attends avant de commencer. Tu fais gainage ? Non, mais ça. Oui. C'est bon, là, je suis reparti. Oui, vas-y. Allez, enchaîne. Petite sauterelle. Pas mal. Ah bah voilà, ça commence à grimper là. La prochaine série, tu la fais à un pied. Hein. Non, je peux pas. Non ? C'est une merde. Ah si, pied droit, mais pied gauche. Non, mais sur ton droit. Allez, prêt ? Et regarde, ouais. Bien. C'est haut, hein ? Allez, prêt ? Attention. Toi, 4. 4 de qualité. Bien. Ouais, ça monte bien là, dis donc. Il y en a qu'on bossait, hein. Eh, hey, c'est bien Fernand, dis donc. Ouais, c'est bien ça. Allez. Ah. Pose le poids, corrige maintenant. Et tu poses, ok ? Pas tout à fait pareil. Corrige, bien, super. Ouais, ça c'est bien. Et là, ça bouge pas d'un poil. Hein. Putain, c'est nickel. Hein. Ouais. T'en fais 4 hein, seulement. Bien. Ah, attends, celui-là, tu l'as loupé. On est obligé d'en faire une cinquième. Ah ouais, l'autre, c'était la merdouille. Allez, vas-y, pousse. Bien. Hop, tout de suite.
Ah. Allez, encore un. Allez, prêt ? Bien droit. Plus large sur les côtés, plus large, plus large. William, tu passes derrière avec ça ? C'est rigolo, pourrais-tu mettre... Ah, un peu plus dur. T'as mal ? Non, top, 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 top. Non, top, top, ça sert à rien. T'as mal, stop, c'est bon. Sur la poussée, t'as mal. Non hein? C'est pas au pied, c'est au... de l'autre côté. Oui, mais c'est pour ça. Stop, stop. N'oubliez pas la dernière série de gainage, les gars. Hein? Ah non, non, non. T'en fais une derrière. Ces images, c'était juste avant leur titre de champion d'Europe. La préparation physique, bon, alors, je suis sûr que c'est important en cyclisme sur piste. Comment tu t'entraînes, toi ? Alors moi, oui, c'est très très important. Puis comme dans tout sport, je pense, moi, je fais de la musculation 3 fois par semaine. Donc, puisque moi, c'est un sport explosif où il faut de la force. Donc, on est toujours en train de bourriner, mais intelligemment, hein, bien sûr. Mais voilà, on est. J'ai très peur parfois sous des barres. Si on fait du squat, squat complet sur des barres non guidées, donc j'ai juste la barre avec les poids sur le dos. Mais c'est avec du lourd ou enfin toutes les 3 séances sont des séances avec des poids lourds ou c'est plutôt du léger? Le lundi par exemple si je mets 170 kg, alors ça dépend le nombre de séries, le nombre de répètes, le mercredi j'aurai 175. On est toujours dans l'augmentation. Parce que normalement, si tu as réussi à faire lundi 170, ton corps il a assimilé ça et tu es capable de mettre plus lourd 2 jours après. Sans compter les entraînements sur piste le lundi après-midi, le mardi matin, le mardi après-midi, et on enchaîne voilà mercredi et le vendredi, la petite séance légère ou de l'explosivité. En fait, il y a une séance de préparation physique dans la journée et une séance de piste. Voilà, le lundi, le mercredi et le vendredi. Sinon, le mardi, par exemple, c'est un petit tour sur route pour oxygéner, faire de la récupération active, et l'après-midi, des sprints sur la piste. Ouais, c'est un entraînement... intensif quand même, mais t'as jamais des moments où tu, je sais pas, tu sors de la muscu et tu te dis, bon, j'imagine que t'as l'habitude, mais tu te dis, mais là je vais plus pouvoir pousser, ou alors au contraire, c'est le fait de faire de la muscu qui aide à... À chaque fois, je me dis, ça passera pas mercredi. Ou le mercredi, je me dis, mais lundi, faut que j'en mette encore 5 kilos par rapport à aujourd'hui, ça va pas passer. Mais finalement, si, parce que dans la tête, déjà, tu te dis, dans 2 jours, si on est lundi, je me dis, dans 2 jours, je dois mettre 5 kilos de plus, donc déjà dans la tête, tu commences à te préparer à ça, et puis après, si de toute façon ça passe, alors il faut que ça passe. Moi, j'aimais pas du tout la muscu, mais alors toi, t'en fais 3 fois par semaine, est-ce qu'il y a du plaisir quand même ? Dans la muscu, non, j'ai pas de plaisir, surtout que. Bah. Si je passe une belle barre. Et que c'est propre, et que mon pareur, parce que chez quelqu'un derrière, c'est très dangereux. Hein. Il ne me donne même pas un petit coup de doigt comme ça pour m'aider à passer le point mort. Ça, c'est vraiment squat complet, c'est un lot aux fesses. Moi, j'ai fait comme ça. Donc, si je sens qu'il ne m'a pas du tout aidé, que je sais pas, je suis proche de mon record, ou même mon record, et que je bats mon record, là, il y a du plaisir, parce que tu dis, voilà, ça commence à payer, je prends de la force. Donc, sur le vélo, ça va aussi se ressentir. Donc là-dessus, c'est... Nous, on fait de la muscu, pas pour faire le playboy sur la plage, c'est vraiment pour prendre de la force. Parce que ça t'aide aussi au démarrage. Comment c'est le démarrage en vélo au niveau du... Bah, on implique tout le corps, parce qu'on tire aussi énormément sur le guidon. Donc, il faut que les bras soient fixes, il faut que le dos soit fixe. Et forcément, on a des braquets de plus en plus gros. Donc, quand il y a une épreuve comme le kilomètre départ arrêté, je suis dans une machine, mon vélo dans une machine. Donc, c'est un départ arrêté. Donc là, c'est l'explosivité pure. Et puisqu'on a un gros braquet, c'est très très dur. Et bah forcément, faut pas perdre de temps à l'enrouler. Et c'est pour ça qu'il faut exploser, quoi. Donc, oui, c'est une partie. Moi, j'aime pas trop non plus les départs arrêtés parce que ça ressemble voilà, à de la muscu en fait. On a très gros et puis c'est moi je suis là pour faire du sprint donc faut de la vitesse, faut tout ça donc le départ c'est pas ce que j'apprécie mais quand tu pars de 0 km/h
et qu'un tour après, tu es déjà à 70, 75 km/h. Tu es obligé de développer de la force. Voilà, et puis là, tu sens que tu prends beaucoup de vitesse. Et puis après, tu te mets dans ta. Sur un kilomètre, par exemple, tu te mets dans ta vitesse dans ta vitesse de croisière. Et là, tu commences à prendre des sensations de vitesse et puis tu te sens bien. Imaginons, moi, je sais faire du vélo. Demain, si je monte sur la piste, je peux faire comme toi ou pas? Il y a quand même de la technique. Tu peux, faut être très relâché. Il y a une partie technique quand même dans la piste. Oui, 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 énormément, parce que déjà notre qualité de pédalage est très très importante. Par exemple, il y en a, ils mettent 20 ou 30 kg de plus que moi en squat, c'est énorme. Et sur le vélo, ils vont deux fois moins vite. Ils vont beaucoup moins vite, ouais. Pas deux fois moins vite, mais ils vont beaucoup moins vite. C'est-à-dire qu'il y en a, ils sont très forts physiquement, mais si tu n'as pas la qualité de pédalage... C'est quoi la qualité de pédalage? C'est de tourner rond, c'est tout simplement de pas... Régulier? Voilà, avoir un beau pédalage, c'est-à-dire... oui, excuse-moi, on va y arriver. C'est-à-dire que tu tires sur les pédales, il ne faut pas oublier de tirer, ça c'est très important. Et quand tu passes devant, tu as des points morts. Ouais. Tu as des points morts. Il y en a, ils n'arrivent pas à bien passer devant. Ils ont des forces négatives. D'accord. Il y en a, ils ne tirent pas du tout sur les pédales. Ils appuient avec la pédale qui est côté où il faut appuyer. Et l'autre côté, ils ne tirent pas. Donc, c'est-à-dire que le poids de leur jambe est sur la pédale pendant qu'ils appuient là. L'autre pédale, okay. La jambe appuie et ça fait des forces négatives. D'accord. Donc c'est important de toujours être dans les forces positives. Et à partir d'un moment, nous, on tourne les jambes à 100, en compétition, on peut tourner les jambes jusqu'à 160 tours minute. Donc à partir de ce moment-là, plus tu tournes vite les jambes, plus ton pédalage se dégrade. Donc c'est ça, avoir aussi une qualité de pédalage, c'est-à-dire à haute vélocité, continuer à garder cette qualité de pédalage. Donc tourner rond, c'est-à-dire qu'il y en a, ils peuvent monter saccadés comme ça, ça saccade. Il faut que ce passage du point mort soit parfait. Voilà, voilà. C'est pour ça que tu as été au Japon, pour apprendre la qualité de pédalage? Non, je l'ai acquis bien avant d'aller au Japon. Tu as fait quoi au Japon alors? Au Japon, je vais là-bas pour faire du kering. C'est... Du kering, c'est simple. Alors, ça vient du Japon, c'est né au Japon en 1948. Ça a été pour la première fois aux Jeux Olympiques en 2000, mais ça a été pour la première fois aussi aux Championnats du Monde dans les années 90, peut-être même 80. Et donc, au Japon, on est 9 coureurs. Il y a un coureur qui emmène, on va dire, comme une petite moto. Au niveau international, c'est une moto. Mais au Japon, c'est un coureur. Donc, c'est un coureur, il lance le sprint. Donc on fait 5 tours derrière lui, il accélère de plus en plus, et à 2 tours ou 2 tours et demi, il s'écarte définitivement. Il ne fait plus du tout partie de la course, c'est le lièvre en fait. Et nous, ça y est, il lance là, le sprint. C'est la bagarre. Voilà, c'est la bagarre. Et au Japon, c'est la vraie bagarre. C'est la vraie bagarre parce que là-bas, il a le droit de venir percuter son adversaire. Alors qu'au niveau international, dès que tu changes ta ligne, dès que tu touches un adversaire ou tu fais une petite vague, ça y est, tu es disqualifié. Parce que c'est pour éviter les chutes. Au niveau international, on est plus, c'est plus cadré. Au Japon, c'est autorisé de venir percuter ton adversaire. Tu es disqualifié que si tu fais tomber ton adversaire ou si tu tombes toi-même. Donc, je te laisse imaginer les vagues qu'ils sont capables de faire. C'est pour ça qu'il y a énormément de chutes. Ça fait le spectacle aussi, les chutes, malheureusement. Il y a des paris en plus. Voilà, il y a des paris. Donc, c'est pour ça que les coureurs, ils sont beaucoup sous tension. Parce que là-bas, c'est considéré comme un métier. C'est pas considéré comme un sport. Ils vont à l'école avant. Pour rentrer dans le système du kering japonais, tu dois faire au moins 10 mois d'école. Ah tu oui. apprends à t'entraîner, tu apprends tout ce qui est physiologique, tu apprends, je pense qu'ils doivent apprendre quelques maths, apprendre à parler anglais aussi. Et au bout de 10 mois, tu as des tests physiques sur le vélo. Si tu ne fais pas des minima en termes de chrono, tu ne rentres pas dans le circuit. Donc il y a de tous les âges qui viennent à l'école. J'ai déjà vu des gens de 40 ans qui ont totalement changé de vie. Leur vie leur plaisait plus. Ils ont dit, on veut se lancer dans du kering. Donc, il y a des gens de 40 ans qui viennent à l'école. Ils ne se sont jamais montés sur un vélo, mais ils essayent. Ce n'est pas dit qu'ils vont rentrer dans le système. Mais au moins, ils essaient pendant 10 mois. C'est très populaire, quoi. C'est extrêmement populaire. C'est l'un des... Avec le judo et le baseball au Japon, c'est l'un des sports nationaux. Mais toi, quand tu vas au Japon, c'est pour être champion de Kirin? Ou c'est pour Non. Alors, je vais là-bas. C'est sur invitation, déjà.
Donc c'est, pour nous, c'est un honneur d'aller là-bas, puisque c'est que des, on va dire des, bon, c'est, je ne vais pas être prétentieux, mais des grands champions qui sont invités là-bas. Moi, avant, il y avait Rousseau, il y avait Gané, il y avait Magné, il y a eu Crissot, il y a eu que des stars du cyclisme sur piste qui sont invités là-bas. Donc moi, ma première année où j'étais invité, c'était oh, « merci mon Dieu !» C'est vraiment un honneur d'aller là-bas. Et puis c'est très clos, c'est très fermé. Ici en France, on ne connaît pas trop ce qui se passe là-bas. Donc on voit ça, moi je voyais ça comme une légende, comme un mythe. Donc pouvoir aller pratiquer ça là-bas, c'était tout simplement génial. Et ça t'a servi aussi pour Alors, pourquoi on va là-bas ? Pourquoi on va là-bas ? C'est parce que c'est comme au PMU en France. Mm-hmm. Le système de paris sur les chevaux, là-bas c'est exactement la même chose sur les coureurs. Mmh. Donc il y a des grilles de primes à la place. Ah, tu as été pour l'argent ? Pas que pour ça, pas que pour ça. Malheureusement, dans mon sport, en France, c'est très difficile de vivre de son sport. Et aller là-bas, ça permet de faire un petit peu d'argent. Voilà, de mettre un peu de beurre dans les épinards. Donc j'ai été là-bas pour ça. Mmh. C'est ça, c'est sûr. Après, moi j'ai tellement vu que ça me faisait de l'effet physiquement et mentalement, que maintenant c'est quasiment devenu un passage obligé pour ma progression personnelle et pour ma préparation. Mais j'ai lu ça, que tu dis que le fait d'avoir été au Japon a fait qu'après tu n'avais plus peur. Oui. Qu'est-ce qui a fait, enfin, c'est le Japon qui a fait ça, c'est l'état d'esprit des Japonais. Moi je connais les Japonais, ils sont sérieux, ils s'entraînent beaucoup, c'est ça qui t'a donné le mental. En fait, ce qui m'a donné le mental, c'est... C'est là-bas, avant une course, les coureurs, on court avec des grosses protections. Plastique partout, sur les cuisses, partout dans le dos. Vraie protection de, comme quelqu'un qui va faire du motocross. Parce que là-bas, il y a beaucoup de chutes. Et, les coureurs, ils se jettent du sel sur eux. Ils jettent du sel sur le vélo, ils prient comme ça sur leur vélo, et puis ils se tapent sur les armures, et puis ils te regardent quand ils font ça. Ils font ça, et puis bah, moi je suis le gadjin, je suis l'étranger, donc je suis la personne limite à abattre, parce qu'ils savent que nous les étrangers physiquement, on est beaucoup plus forts, parce qu'on a un entraînement moderne, alors qu'eux ils sont beaucoup plus, beaucoup plus anciens. Ouais. Voilà. Donc ils ont vraiment peur quand on est avec eux, et ils font tout pour nous faire perdre. Donc on est 9, il y a 8 Japonais qui courent pour me faire perdre. Donc avant la course, déjà, tu te dis ça, tu te dis il y a le droit de faire des vagues. Au niveau international, on n'a pas du tout l'habitude. Donc quand je commence à faire mon sprint, le mec, il se retourne, il me voit arriver, déjà il crie Gajin, Gajin. Et après, il me balance. Donc t'es comme ça déjà avant ta course. Tu te dis je peux tomber, je peux me casser une clavicule, je rentre en France, ça y est, c'est fini. Parce que aussi moi, personnellement, je mets beaucoup d'argent dans ce voyage-là. Ouais. C'est je paye tout de suite. Dès que j'arrive, bam, j'ai une grosse ardoise. Si je reste 4 mois, je paye 4 mois directement d'appartement. La location du scooter, 4 mois de location d'un coup. L'interprète, le billet d'avion, le vélo japonais. Plein de choses comme ça qui font que j'ai une grosse ardoise au début. Et aussi, ça te fait flipper. Parce que si tu te dis, si je tombe dans mes premières courses, il me faut plus de la moitié de mes courses pour rembourser cette ardoise-là. Donc, faut que je reste sur mon vélo. Donc déjà, ça te fout un peu les pétoches quand même. Et puis le fait que tu peux tomber, que tu peux rentrer en France cassé en laissant une grosse ardoise là-bas. Donc dans la tête, ça crée du stress. Ça crée beaucoup de stress. Mais tout ça, ça t'a donné le mental. Juste pour revenir du coup sur avant où c'était peut-être un peu moins fort. Et encore avant, pour revenir sur tous tes débuts, tu étais dans un pôle, et on a un sujet justement sur Camille Georgiou, qui est une nageuse, et on l'a suivie au Krebs d'Antibes. Regarde. J'ai toujours été comme ça depuis que je suis petite. J'ai toujours été à la piscine, en cours, toujours été dans ce rythme-là, donc ça me plaît. C'est mon rythme de vie, quoi. Je pense que avoir un autre rythme, ça me dérangerait. Allez, on va jouer. On vérifie à l'autre bout.
Nage bien. On est mariés. T'es où, toi, hier? C'est bon. Okay. Si on n'aime pas les nageurs qu'on entraîne ou les athlètes qu'on gère, je crois qu'on ne peut pas faire du bon boulot. Je pense qu'il faut quand même les, aimer, les athlètes. Ouais. Ils se donnent tellement, si tu veux, c'est tellement le sport du niveau, c'est difficile quand même, parce qu'en plus, ils ont les cours derrière pour la plupart, ils ont deux entraînements par jour. Il y a tellement d'investissements que voilà, tu as envie que ça qu'ils réussissent. Quoi. Je le fais pas pour moi, hein, loin de là. Hein. Je le fais pour eux et je suis content quand ils réussissent parce qu'ils le méritent. Hein. Ils se donnent tellement que c'est important. Ouais. C'est un espoir qui est en devenir, c'est-à-dire que c'est. Bon, Camille, c'est quelqu'un qui a été quand même bien formé à Bourges par Christophe. Après, passé à Fort-Romeu avec Richard Martinez, elle a fait du bon boulot. Ben maintenant, il faut tailler la pierre un peu plus. Mieux, quoi. Il faut la façonner, il y a beaucoup de travail à faire avec elle, mais il faut être patient, il faut construire étape par étape et il faut être tranquille, quoi. Allez, on y va! Je pense que psychologiquement, l'année dernière, elle a eu des petits soucis, bon, dus à sa vie de jeune fille. Maintenant, bon, bah, elle a l'air d'être heureuse, assez épanouie, et je crois que là, elle a vraiment changé. C'est bien comme ça, continue, relâche-toi bien. Et hop. Ouais, c'est quelqu'un qui... Je pense qu'elle elle nage vite quand elle est vraiment bien, quoi, et quand elle est vraiment heureuse. Et je crois que là, elle est en train de... d'y arriver progressivement. Et ce qu'elle a fait ce week-end où elle a vraiment très bien nagé, c'est qu'on la sent vraiment une fille épanouie et heureuse. Et donc ça, c'est un plus pour nous. Ouais. Enfin, surtout pour elle. Hein. C'est toujours mieux que ça se passe bien. Hein. Pour moi, c'est important d'avoir le sourire. Ça n'a pas toujours été le cas. Donc maintenant, je sais que quand on est heureux, on réussit beaucoup mieux que quand on ne l'est pas. Et même s'il y a des jours qui se passent moins bien que d'autres, il faut toujours se dire qu'il y a de pire ailleurs. J'aime bien cette sensation de glisse qu'on peut avoir. Et j'aime la compétition aussi. C'est une fille vraiment aquatique, c'est une fille qui arrive à dominer l'eau. Et si elle arrive à bien s'y prendre avec un bon caractère, je pense que c'est une fille qui peut surprendre énormément de personnes. Je vais tout faire pour faire les Jeux de Rio. Et après, on verra. Je pense que pour l'instant, c'est mon objectif principal. C'est pas forcément... C'est un peu un rêve, mais c'est faire vraiment les Jeux de Rio et réussir là-bas. Ben, le sport, ça m'a permis de comprendre pas mal de choses. Ça m'a permis de grandir et de savoir aussi que même s'il y a des années qui se passent moins bien que d'autres, il n'y a jamais rien qui est fini, qu'il y a toujours un petit espoir, il y a toujours une petite possibilité, toujours quelque chose qui fait qu'on peut quand même réussir en s'y donnant les moyens. Camille Georgiou, c'est une espoir de la natation. Toi aussi, tu as été un espoir aussi à un moment dans ta carrière. Mmh. C'était où? Alors, j'ai été... En pôle? Oui, en pôle. Pôle espoir de La Roche-sur-Yon, juste avant d'arriver ici à l'INSEP. C'était en 2000. En 2000? Tu avais quel âge? Bah, j'avais 16 ans. 16 ans? Tu penses qu'il se rappelle de toi là-bas? Oui, il y a de grandes chances. Je crois qu'il me prend encore un exemple. C'est vrai. J'ai eu des échos comme quoi il me prenait encore un exemple. Eh ben on va lui demander parce qu'on va la voir en direct. Andy Hurtford, c'était ton entraîneur au Pôle Espoir de La Roche-sur-Yon. Bonjour Andy. Bonjour, ça va bien? Bonjour François. Salut Andy. François disait que vous le preniez encore comme exemple au Pôle, c'est vrai? Ah, tout à fait, ouais.
C'est un vrai exemple de quelqu'un qui travaille dur, qui sait ce qu'il veut, et tout simplement, voilà. C'est un exemple. Tu voulais dire un petit mot ? Ouais, bah écoute, je suis content de te voir, ça fait des années que je t'ai pas vu. Je vois que tu es fidèle au poste, c'est très très bien, on a vraiment besoin d'hommes comme toi dans les pôles espoir justement pour découvrir des talents et puis les emmener au plus haut niveau. Donc je suis très content de te voir encore fidèle au poste. Ouais, je te remercie François, puis je voulais commencer, mais j'aimerais bien aussi te faire passer toutes les félicitations de tous les membres de pôle et de Richard et de tous les personnels de staff ici au lycée, parce qu'on a des gens de l'internat, on a très bon souvenir de toi. Donc c'est toujours assez vif, hein, même si ça fait 14 ans. Donc tu nous as fait plaisir, puis on a vibré au dernier championnat du monde, comme tout le monde. Donc c'était notre petit François de citer court. Tu nous as marqué, voilà. Et il était comment François quand il était au pôle? Ben François, ben, je crois que c'est toujours le même François qu'aujourd'hui. Hein. C'est quelqu'un qui était très sérieux. J'avais jamais à la chercher pendant la semaine. Je savais qu'à 4h30, je suis rendu au salle de messieurs le mardi, jeudi, sans faute. Donc ça, c'était un bonheur parce que bon, il avait un passion déjà pour la musculation et on voyait qu'il travaillait vraiment dur. Et je pense que c'est pour ça qu'il a réussi à faire tout ce qu'il a fait, cette carrière qui est maintenant quand même énorme, hein, je crois on peut le dire. On est fiers de lui, moi je suis fier de lui, puis il mérite tout ce qu'il a eu. Même si c'est venu avec un peu de retard, c'est venu, et, voilà, c'est vraiment bien mérité. Hein. Vous, c'était quoi un peu votre rôle aussi sur le pôle ? Que ce soit avec François ou même avec les jeunes, c'est quoi un petit peu votre rôle? C'est notre rôle, c'est le double projet. C'est-à-dire les jeunes, ils arrivent ici à l'âge de 16-17 ans, comme disait François, avec un double projet, donc un projet professionnel et un projet sportif. Donc le centre, c'est plutôt un étude sport qu'une sport étude. On va privilégier les études et quand les études marchent, dans le sport, il n'y a pas de souci que ça suit derrière. Les jeunes, ils sont bien dans la tête et ça marche. Voilà. François, tu n'as pas une petite anecdote à nous raconter sur La Roche-sur-Yon ? Si, j'en ai une. J'ai une belle anecdote. C'était un jeudi, je crois. Moi, je préparais les championnats d'Europe de vitesse, de piste. Justement, et puis là-bas, il n'y a que moi qui faisais de la piste, puisque c'était plus ou moins un pôle espoir basé essentiellement sur la route. Sur la route. Donc, c'était une fin d'année, je crois, vers mai, juin, et tout le monde s'était donné rendez-vous au Moulin Pape, Moulin Papon, je crois, voilà, pour faire, pour faire un barbecue bien arrosé. Et puis, j'étais le seul à pas y être, donc, parce que moi, je préparais mes championnats d'Europe. Donc voilà, j'étais peut-être même trop sérieux. Finalement, j'aurais peut-être dû aller avec les potes. Ben, on dit vous pourrez organiser un barbecue bientôt pour recevoir François, pour lui montrer ce qu'il avait raté et puis faire la fête avec lui, peut-être. Oui, ça sera avec plaisir. Et juste pour le petit mot, c'est vrai, il y avait une époque où ils étaient pas mal les jeunes avec le fameux barbecue, mais je peux vous assurer que depuis maintenant, ouais, dizaines d'années, il n'y en a plus. C'est carmé. Donc, on a l'expérience maintenant, on connaît les conneries avant qu'ils la font. C'est pas mal. Ça ne passe pas grâce à ces jeunes-là. Là. Donc, non, il n'y a pas de problème, on est dans les formations. On est là en temps de détection, on est là au service du comité de paix de la Loire. On est au service de l'équipe de France parce que maintenant on a les jeunes qui sont sélectionnés. On amène les jeunes aussi aux champions du monde, c'était le cas de l'année dernière de Pierre-Henri le cuisinier puis David Rivière en junior à Florence. Donc je pense qu'on fait du bon boulot avec l'expérience et puis surtout on évite de faire les erreurs. Les jeunes de 16-17 ans, c'est important. Donc, on les apprend là, par rapport au PPG, les étirements, la diététique, l'hygiène de vie, la récupération. Puis, on a notre petit calendrier de compétition
où cette année François est sort content, mais on est descendu de Bordeaux, on a fait les compétitions Bordeaux, et on a fait une stage de février à route piste à Bourges. Donc on a fait découvrir de la piste à plus de jeunes qui n'ont jamais fait à Bourges. Là ils sont régalés le matin, puis l'après-midi sur route. Donc non, je crois pas que ces jeunes qui sont passés, bon bah on est enrichi avec l'expérience. Et bah, la piste de cyclo-cross, on touche à tout maintenant, la route. Et puis, je disais, François, je suis toujours fidèle, j'ai toujours autant de plaisir. Et surtout dans ces moments-là, qu'on puisse en parler, c'est que du bonheur. Quoi. Eh bien, merci, Andy. On vous remercie beaucoup pour votre disponibilité. Et puis, bonne continuation à La Roche-sur-Yon, alors. Et j'y vais sur la piste maintenant avec les jeunes. Allez, c'est bien. Au revoir. Allez, ciao. Salut. François, ça c'était une partie de ta jeunesse, La Roche-sur-Yon. Et après, tout de suite, t'es arrivé à l'INSEP, c'est ça? Oui, j'ai été à La Roche-sur-Yon en septembre 2000 et je suis arrivé à l'INSEP en septembre 2001. Donc j'ai été une année là-bas parce que je ne pouvais pas y aller plus tôt à cause de mon âge, mais c'était très enrichissant. J'imagine. Et du coup, quand t'es arrivé à l'INSEP, là, c'est vraiment les choses sérieuses. Oui, qui commence. Oui, très sérieuse. Et puis, je suis quelqu'un de la campagne. J'arrive en région parisienne. Donc, je découvre aussi un petit peu le monde. Non, mais si, c'est un peu comme ça. Hein. À 16-17 ans, je n'étais jamais trop sorti de mon village, hein, en fait. Hein. Non, il faut le dire. Hein. Donc, Paris, ses environs. Et puis, l'élite de mon sport, d'autres sports aussi, parce que je côtoyais des championnes et des champions. Donc c'était très enrichissant. Mais tu sais quoi, on a une petite interview de toi à ton arrivée à l'INSEP. Regarde. J'habite en campagne, donc je n'avais pas trop de choses à faire. Et puis ma seule préoccupation, c'est faire du vélo. Je prenais mon vélo, j'allais faire 10 fois le tour du bourg dans la journée, puis mes journées c'était ça, quand même, sur le vélo. Les gens, je me rappelle même qu'il y a ma voisine, elle est venue voir ma mère et elle lui a dit, elles ont parlé de moi. Et elle a dit, votre fils, je le vois tout le temps en vélo. J'ai jamais vu à pied votre fils. Je faisais des petites sorties avec mon grand-père en vélo. Et puis le jour où je commençais à le larguer, il m'a dit faudrait que tu signes dans un club parce que si tu me largues, hein, c'est que t'es pas mal quoi quand même. La première fois que j'ai été voir une vraie piste, j'ai vu le bol. C'est vraiment un bol, j'ai appelé ça le bol quand j'étais petit, je sais pas. C'est comme si on faisait du vélo dans un bol. Et j'ai fait mais je monterai jamais là-dessus. Hein. Compte pas sur moi, je monterai jamais là-dessus. Faut être taré pour monter là-dessus. Ça te fait plaisir de... Tu t'en souviens de ces images à l'INSEP? Oui, je me souviens même du bâtiment, de la salle, de l'équipe de tournage. Je m'en serais bien passé. C'est bien, on voit que t'étais... Tu nous racontes un petit peu tes débuts en vélo, que... Oui. Que ta voisine te voyait toujours sur un vélo. Ça fait partie aussi du parcours, c'est comme ça aussi. À un moment donné, quand on arrive à l'INSEP, c'est là aussi qu'on prend conscience des objectifs et du projet, je pense, du sport et de la discipline qu'on a choisi. Mais est-ce que tu penses aussi que le sport, ça peut apporter plus de choses que ça dans la vie? Oui, concrètement. Pour moi, le sport, ça peut être une école de la vie aussi, quelque part, puisque tu apprends des valeurs. Des valeurs, tu apprends le respect, le partage, le dépassement de soi. Donc ça... Même ça, dans la vie de tous les jours, quand on n'est pas sportif de haut niveau, ces valeurs-là, on a même du mal à les avoir ou à les acquérir. Donc le sport, c'est une belle école de la vie. Toi, tes parents étaient cyclistes ? Oui, mon père était cycliste, mais un petit cycliste, puisqu'il n'a fait que 4 ans de cyclisme à très bas niveau. En régional, il a gagné aucune course, il sautait même du peloton, mais... Après, il a joué en excellence régionale en handball pendant très longtemps. Donc, c'est mon père touché un peu à tout. Et c'est lui qui m'a donné clairement le goût pour le sport.
Ton grand-père aussi un peu ? Mon grand-père aussi, puisque dans mon village, c'est lui qui a créé le club de foot, de tennis et de basket. Donc c'était aussi un touche-à-tout et des passionnés de sport en général. Tout à l'heure, tu disais que tu habitais dans la campagne. On voit un petit peu les images de toi justement oui. dans la campagne avec, avec moi, ton père. Moi maintenant, je cours plus. Je suis sur le tracteur. Ça ne faut pas que je me blesse. Ça te fait du bien ? C'est un retour aux sources quand tu vas chez tes parents là-bas ? Oui, c'est par rapport à la région parisienne, c'est sûr que là-bas, c'est beaucoup de verdure, c'est tout ce que j'aime. C'est là où je suis né, c'est là où j'ai grandi. Pour moi, la campagne, c'est très important. Et puis, c'est la sûr pêche. Que ça me fait voilà, aussi la pêche. Ça fait très longtemps que je n'y suis pas allé parce que j'ai plus trop le temps, mais à ma retraite, je vais me rattraper. La famille, c'est important aussi hein, pour toi ? Bah oui, ça aide, c'est sûr. S'ils n'étaient pas derrière moi, je me sentirais moins soutenu. Et puis, j'aurais été forcément peut-être moins loin. C'est important d'avoir des aides et puis du soutien. Quand tu dis ils t'ont soutenu, ils venaient te voir en compétition ou... Mon père, on se dépassait quand j'ai commencé ma première licence, j'avais 12 ans. Donc de 12 ans jusqu'à arriver ici à 16-17 ans. Tous les week-ends, j'étais parti en compétition sur route, sur piste, en VTT, en cyclocross. Donc mon père m'emmenait, faisait des déplacements pour m'emmener sur les courses le dimanche. Donc tous les week-ends, on partait en course. Donc forcément, fallait qu'il soit là, fallait qu'il soit présent. Mais c'est ton père qui est dans la voiture, là ? Dans la regrettée express. Donc, des fois, c'est arrivé pour faire, soit pour me faire plaisir ou pour faire de la survitesse. Je suis quelqu'un qui aime les records. Donc, une fois, je l'ai appelé, j'ai fait « bon, je suis sur la Nationale, tu viens avec la voiture, on ouvre le coffre ». Et puis, c'était un coffre qui s'ouvrait un grand comme ça. C'était un Renault Espace. Donc, j'étais sous le coffre et puis j'avais le compteur digital en face de moi. Et voilà, jusqu'à 100 km/h facilement. Donc, c'était du grand n'importe quoi hein, parce que je prenais un caillou, j'éclatais et puis je me ramassais. Hein. Mais je suis quelqu'un qui adore l'adrénaline et les sensations fortes. Puis en même temps, c'est des moments que tu as partagé aussi avec ton père, avec ta famille. Et moi, ce que j'aimerais bien savoir aussi, c'est est-ce que tu partages aussi ces moments-là avec quelqu'un dans ta vie aussi ? Oui, je suis marié. Je suis marié depuis 7 mois, ça fera 7 mois hier. Voilà. Donc, et en cours, on va bientôt être 3 dans la famille, puisque j'attends un petit bébé pour le mois d'août. Super. Donc pile poil pour mon retour du Japon, j'espère que je serai arrivé avant l'accouchement. Donc forcément ma femme, hein, ça fait 10 ans qu'on est ensemble, elle a supporté beaucoup de choses, beaucoup de choses. C'est très dur d'être une femme de sportive de haut niveau, puisque quand on veut réussir dans son sport, on est obligé de tout donner pour son sport. D'être égoïste. Voilà, c'est le premier mot qui sort de sa bouche quand elle parle de moi. Mais bon, je lui en veux pas, c'est normal, c'est limite parfois je regrette de ce que je suis capable de lui faire subir par rapport à mon sport, mais elle comprend. Mais bon, voilà, avec les années qui s'accumulent, c'est toujours de plus en plus dur. Mais avec des titres de champion du monde qui sont arrivés récemment, des records du monde, ça efface un petit peu tout ça. C'est ce que j'allais dire. Après aussi, c'est un bonheur qui est partagé avec ta femme, avec ta famille, et puis aussi avec toutes les personnes de ton entourage, parce qu'il y a beaucoup de monde, j'imagine. Les sportifs de haut niveau, on est souvent au centre, et puis après, il y a plein de monde qui gravite autour. Voilà. Un petit peu les gens de l'ombre, on va dire. Et nous, on a un petit clin d'œil sur une personne de l'ombre. Regarde le sujet. En vitesse, il faut nettoyer. Hein. Voilà. À l'extérieur, les gens ils sont venus, ils mettaient des 4 heures au moins
4-5 heures. Moi, bah, j'ai bien pratiqué, je mets 1h30, 2 heures à peu près, je mets. Bah, je nettoie tout le piste jusqu'à le bleu. Bah, voilà. Il faut qu'on fasse, sinon ça glisse. Tu sais, les pneus, il m'a dit, s'il y a des poussières, ce n'est pas bon pour le cycliste parce que ça glisse, il m'a dit, Florian Rousseau. On a réalisé un balai, voilà, chiffon. On n'achète rien, hein. C'est nous qu'on coupe toutes les anciennes des chiffons. Vous voyez la saleté là. Comme ça, je fais le morceau. Voilà, les traits. Après, je continue comme ça. Plus vite possible. Comme ça, on perd beaucoup de temps. Voilà. Après, encore, je descends. En vitesse. C'est le meilleur système de nettoyer. Tu sais, les anciens chiffons, je récupère. Avant, on achetait. Maintenant, on n'achète plus. C'est pas la peine. C'est mieux comme ça. Si on met les chiffons 100% coton, ben, ça nettoie. Vous voyez, là, tous les côtés. Alors, je ne sais pas où ça devient poussière, mais c'est quand même incroyable. Hein. Ben, peut-être, tu sais, je ne sais pas, c'est aération, autre chose. Alors, cyclistes, les pneus. On dit toujours que le diable est dans le détail. Donc là, Avedis Ousto, qui est l'agent des installations sportives, il aide quand même à éliminer le diable, là, non? Oui, pour nous, lui, il est très important, puisque comme on l'a vu, il nettoie très minutieusement la piste, puisque il peut y avoir beaucoup de poussière sur la piste, et avant de rouler à fond à 70-75 km/h, on roule très doucement en haut des virages. Et ça arrive, le mercredi, des fois, il y a des classes entières de collégiens qui viennent et ils piétinent au-dessus de la piste, partout. Ça fait lever la poussière et ça tombe sur la piste. Et nous, on sait très bien que le jeudi ou le lundi matin, il peut y avoir des risques de glissade. On sent qu'on roule très doucement, on sent qu'on commence à sentir le pneu qui chasse. Donc là, on se dit, il y a certainement de la poussière, donc on roule un tout petit peu plus vite. Donc c'est très important ce qu'il fait là pour nous, c'est... Ça évite la chute, donc une éventuelle blessure. Donc, dans les détails, il y a le nettoyage de la piste, il y a aussi les techniciens, les mécaniciens qui sont importants. Et puis surtout, je sais pas, je pense qu'il y a aussi l'entraîneur qui a une grosse part de réussite pour un athlète. Oui, c'est une équipe.
tout le monde compte, tout le monde a sa part d'importance. Donc forcément, l'entraîneur, c'est celui qui a le plus gros pourcentage d'importance là-dedans. Mais il faut qu'il soit très bien entouré. Il faut aussi des kinés pour les massages. Il faut d'autres qui travaillent la biomécanique. Puisque nous, on s'entraîne avec du matériel. Donc le matériel, il faut qu'il évolue. Faut être bien posé dessus, faut que le carbone il soit bien aérodynamique. Il y a plein de choses comme ça à faire, le casque, la combinaison, tout ça. Donc il faut savoir très très bien s'entourer. Surtout nous, on a déjà vu la France perdre un titre de champion du monde pour 1/1 millième de seconde. Titre olympique même. Un titre olympique, oui, pour un peu plus quand même. Mais on sait qu'on peut perdre pour 1/1 millième de seconde. 1/1 millième de seconde, ça représente absolument rien du tout. C'est un cheveu sur la ligne d'arrivée. Donc il faut optimiser tout ça et on a besoin de beaucoup de staff. On n'est pas tout seul comme ça à s'entraîner, à faire nos entraînements, à faire du sprint. Dans ton quotidien, c'était qui toi ton entraîneur? Alors moi, mon premier entraîneur quand je suis arrivé ici, c'était Gérard Quintin. Ensuite, quand il a pris sa retraite, c'était Florian Rousseau. Et depuis peu, depuis presque bientôt un an, c'est Justin Grace, c'est un Néo-Zélandais. Donc on a plein de choses à mettre en place. Si tu devais, dire un petit peu ce que chacun t'as apporté, Gérard Quintin, Florian Rousseau et le Néo-Zélandais, Justin. Alors Gérard, bon, pour mes débuts, parce que il était là quand je suis arrivé, donc il m'a appris, il a raboté un peu tout ça, il a façonné. Voilà, il a commencé à façonner aussi mes ce que je devais connaître sur l'entraînement du haut niveau, parce que c'est bien de faire ce qu'il me dit de faire, mais il faut aussi comprendre et savoir pourquoi je fais ça. Ça, c'est très important. Ça, je pense qu'il y a beaucoup de sportifs aujourd'hui qui oublient de savoir pourquoi ils font ça aujourd'hui, pourquoi demain ils feront ça, l'objectif de séance. Bon, ça, c'est un autre sujet. Mais donc, Gérard, lui, m'a appris les premières bases de l'entraînement de haut niveau. Florian a optimisé ça. Il a apporté des nouvelles choses. On a commencé à travailler sur la biomécanique avec Florian. On a commencé à travailler sur la physiologie aussi et on a essayé de commencer à optimiser et de trouver des nouvelles choses à évoluer pour continuer à progresser. Et puis maintenant, avec mon nouvel entraîneur, lui, il a beaucoup de connaissances justement sur tout ce qui est aérodynamisme, matériel, entraînement plus ou moins moderne, puisque Florian refaisait à peu près ce que faisait Gérard avant. Maintenant, c'est un entraîneur anglo-saxon, donc il a totalement une vision différente de l'entraînement. Donc ça change énormément. Et ça change. Ça apporte un petit plus et puis oui, c'est important. Un changement aussi peut-être pour toi aussi. Un gros changement, puisque ça faisait 12 ans que je m'entraînais de la même façon. Et puis au bout de 12 ans, mon corps il est habitué à s'entraîner de la même façon. Donc c'est limite s'il régresse. Et il faut le dynamiser, le booster pour qu'il continue à progresser. Et ça, c'est ce que nous apporte le nouvel entraîneur. Eh bien François, on en sait beaucoup sur toi maintenant. On a parlé de ton triplé historique, maintenant tu es une légende. On a parlé aussi de ta famille, on a parlé du vélo, du sport en général. Mais forcément, on ne peut pas finir cette interview, cet entretien, sans parler de l'objectif, le plus gros objectif. Dis-moi, ouais. C'est quoi ton plus gros objectif? Moi, j'appelle ça, j'appelle même pas ça l'objectif d'une carrière, j'appelle ça l'objectif d'une vie. C'est tellement incroyable, les Jeux Olympiques, que de vivre ça, c'est tout simplement magnifique. Et voilà, c'est d'être champion olympique. Donc maintenant, avec ce que je viens de faire il y a quelques semaines, aux Jeux Olympiques, ce sera exactement les mêmes coureurs. Après, c'est à moi de me sélectionner pour les Jeux Olympiques, parce que ce qui est difficile pour nous, c'est que les Jeux Olympiques, c'est un par nation, par épreuve. Alors qu'au championnat du monde, on est deux ou trois par nation, par épreuve. Donc au championnat du monde, tu as beaucoup moins de stress sur les sélections avant. Donc là, les Jeux Olympiques, j'ai encore 2 ans à continuer à progresser, parce que c'est, même si cette année j'ai tout raflé, je peux me dire « ouais, je suis plus fort ». Deux ans, ça va, on sait que ça va vite. 2 ans, ça va vite, mais il peut se passer beaucoup de choses aussi. Donc toujours rester concentré, toujours essayer d'optimiser le maximum de choses. Et de toute façon, le sport de haut niveau, c'est une perpétuelle évolution, progression. Il ne faut jamais perdre ça de vue. Même si on a tout gagné, tout raflé,
j'ai pas tout raflé, puisqu'il me manque justement cette médaille d'or. Tu parlais de concurrence, surtout qu'il y a, on a un bon niveau en France hein, sur la piste. Donc oui. Toi, tu auras la possibilité, en tout cas, tu vas chercher à te qualifier sur le Kirin, la vitesse individuelle et la vitesse par équipe, parce qu'il n'y a pas le kilomètre aux Jeux. Malheureusement, il n'y a plus le kilomètre aux Jeux Olympiques, mais il y a la vitesse individuelle, la vitesse par équipe et le Kirin. Donc cette année, je suis champion du monde de vitesse individuelle et de Kirin. Je n'ai pas participé à la vitesse par équipe pour certaines raisons, mais j'ai espoir de l'intégrer et puis de continuer à être champion du monde et champion du monde de vitesse individuelle et de Kirin en vue de placer mes billes d'ici les Jeux Olympiques de Rio. Pour toi, c'est un peu difficile comme question parce que moi, je sais, je sais ce que ça fait, mais tu penses que si tu n'es pas champion olympique, entre guillemets, tu n'auras pas réussi, ce sera un échec? Non, je ne dirais pas que c'est un échec, puisque ça fait 12 ans que je bosse comme un dingue, deux fois par jour, quasiment 6 jours sur 7 et aller à 320 jours dans l'année, pour atteindre le niveau que j'ai eu aujourd'hui. Je viens de battre deux records du monde. Il y a un record du monde d'Arnaud Tournant, pendant 12 ans, il n'a pas été battu. Je viens de faire un triplé historique dans l'histoire de mon sport. Donc, quelque part avec ça, je me dis que même si ma carrière devait se finir aujourd'hui, j'aurais réussi à faire quelque chose de bien. Parce que mon chemin a tellement été difficile avec mes blessures, avec des jeunes qui viennent, Bogé, d'Almeida, Siro, qui sont plus jeunes que moi, pendant que j'étais en train d'être blessé, eux, ils ont continué à progresser, ils me sont passés devant. Et eux, ils ont été champions du monde par la suite. Et moi, je faisais toujours deuxième ou troisième pendant 6 années au championnat du monde, entre 2006 et 2013. J'ai toujours fait deuxième ou troisième au championnat du monde. Ça m'est toujours passé sous le nez. Donc, c'était très, très dur. À l'entraînement de se remotiver pour ça, mais je n'ai jamais rien lâché. Jamais, jamais, jamais rien lâché. Toutes mes blessures, quand j'étais sur mon lit d'hôpital, parce que je me suis opéré de la clavicule ou parce que voilà, ma vertèbre, je me suis dit, tu reviendras et tu montreras à tout le monde que tu es le plus fort. Et même rien que pour toi, parce que je ne fais pas du vélo pour les autres, je fais vraiment du sport pour moi. Pour mon épanouissement personnel et j'ai pas besoin de vivre dans le regard des gens. Ça, c'est, j'ai pas besoin de ça. Donc je me dis que il me manquera forcément quelque chose, une médaille olympique, de monter sur le podium des Jeux Olympiques. Mais non, mais sincèrement, moi j'ai fait 3 Jeux Olympiques et 12 ans avant d'être champion olympique. Donc à mon avis, pour toi, avec la progression que tu as eue et comment tu te situes aujourd'hui. Je pense que tu arriveras à décrocher cette médaille d'or olympique et en plus c'est tout ce qu'on te souhaite. Je vais te remercier encore une fois d'avoir accepté de participer à cette émission. Et puis si toi tu veux dire un petit mot voilà, pour moi, finir. C'était un réel plaisir d'être le premier invité. Et je te remercie pour me prévoir une médaille d'or olympique. C'est avec plaisir. Merci beaucoup, François. Merci à tous et on se retrouve bientôt pour une prochaine émission. Ciao, ciao.